Arab Blues retrace le parcours de Selma, qui, après avoir exercé la psychanalyse en France, décide d'installer son cabinet dans une banlieue populaire de Tunis au lendemain de la Révolution. Malgré des débuts chaotiques et mouvementés, la demande s'avère importante dans ce pays où la parole a été longtemps verrouillée. Alors qu'elle commence à trouver ses marques, Selma réalise qu'il lui manque un document administratif essentiel si elle veut poursuivre sa pratique dans la légalité. S'enclenche alors un combat avec l'administration qui va l'obliger à renouer avec un passé qu'elle pensait derrière elle. Dans ce scénario, j'ai eu envie d'utiliser le registre de la comédie pour traiter de la Tunisie de l'après Ben Ali. J'ai voulu créer des personnages au bord de la crise de nerfs, oscillant entre hystérie, joie et mélancolie. Je veux mettre en avant leur démesure, leur humour, leur vivacité, sans jamais perdre de vue le contexte sociopolitique. J'arrive aujourd'hui à la fin du processus d'écriture. C'est un projet qui est produit par Jean-Christophe Raymond de Kazakh Productions et nous espérons rentrer en financement l'année prochaine.